Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Edinson Cavani au FC Barcelone. Mais avant de parler d'Edinson Cavani, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous. Et nous les gars, on est parti pour parler de l'arrivée de Cavani au Barça. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Manchester United, l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, 34 ans, intéresse fortement le Barça, qui envisage de le recruter lors du Mercato 2022. Les parties seraient tombées d'accord pour un contrat d'une saison et demie. Arrivé libre à Manchester United en octobre 2020, Edinson Cavani a rapidement prolongé son contrat d'une saison supplémentaire en fin de saison dernière. L'Uruguayen était une priorité pour son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, mais le technicien norvégien a été remercié depuis et Cristiano Ronaldo est arrivé, poussant Cavani sur le banc. Rattrapé par une gêne au tendon depuis le début de la saison, le Matador n'a pu jouer depuis la fin du mois d'octobre et pourra aller voir ailleurs dès cet hiver. Si les pépins physiques qu'il entraîne depuis plusieurs semaines finissent par le laisser tranquille. D'après les informations de Sport, c'est en tout cas l'objectif du Barça. Cavani aurait un accord de principe avec le club catalan pour un contrat d'une saison et demie. L'option menant à l'attaquant uruguayen de 34 ans est jugée relativement abordable à condition que le joueur consente à renoncer à une partie de ses émoluments actuels jusqu'à la fin de la saison, en attendant de récupérer l'intégralité de son salaire lors du prochain exercice. Imagine Sport. Les facilités de négociation avec l'entourage du joueur font penser au club et par extension à la presse catalane que l'affaire pourrait se faire dès le mois de janvier. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que l'arrivée d'Edinson Cavani au FC Barcelone est réellement et vraiment une bonne idée? Et aussi les gars, n'hésitez pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte vous les mecs, j'ai envie de vous dire à la prochaine et salut.